Mes excuses pour l'effet des mots, j'avais plus de notes. Donc, je vais vous présenter tout le travail qu'on a effectué sur la performance web sur notre site. Donc, au cours des deux dernières années sur desites.fr, on a un peu fait la chasse à la seconde côté front en essayant de réduire et d'alléger toutes les ressources qu'on exposait et côté back en faisant quelques optimisations sur nos serveurs. Donc, je vais vous parler de pourquoi la performance web, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'on a fait et quels résultats on a pu constater ? Bon, là, on a un événement de la FUB. Je suppose que pour la plupart d'entre vous, vous êtes des développeurs PHP. Vous avez l'habitude de bosser sur vos serveurs, de suivre un peu les performances et vous savez à peu près comment les optimiser de ce côté-là. Mais en fait, je voulais surtout vous parler de l'aspect performance hors serveur qui pouvait être parfois méconnu de certains d'entre nous. Donc, je vous parlerai très peu de ce qu'on a pu faire sur nos serveurs, mais je vais vous présenter tout ce qu'on a pu faire hors serveur pour améliorer la rapidité d'affichage de nos pages. Donc, je m'appelle Sébastien Rogier, je suis développeur chez Deux Sites Interactives au sein d'une équipe technique composée de 4 personnes. On est 3 développeurs et un responsable technique. Donc, on édite Deux Sites.fr, c'est une librairie en ligne qui est basée sur du Magento. On gère également des versions en marque blanche de ce site-là, des outils en Symfony 2, etc. Donc, voilà un peu pour le contexte de l'équipe technique. Autour de nous, il y a une dizaine de personnes qui vont également travailler sur le site pour en gérer son contenu, le SEO ou bien les clients. Pour vous donner un peu une idée du site, Deux Sites.fr, c'est un site qui existe depuis 1997. Sa version actuelle, donc, qui est basée sur Magento, elle existe depuis 2012. Pour vous donner aussi une idée du trafic, c'est 4,2 millions de pages vues par mois en moyenne et un catalogue produit de 1,3 million de livres ou e-books. Bon, maintenant que les présentations sont faites, je vais rentrer dans le détail et vous parler de qu'est-ce que la performance web et son optimisation. Déjà, la performance web, c'est tout simplement comment essayer d'afficher au plus vite sur cet internet et essayer d'améliorer ça. Historiquement, on peut remonter au début des années 2000 avec l'émergence du web et les toutes premières règles qui vont aller dans ce sens-là. En 2007, c'est les Yahoo Rules for Performance, rédigés par Steve Suders. En gros, à l'époque, c'était 14 bonnes pratiques qu'on pouvait appliquer sur nos sites et qui nous donnaient des pistes d'amélioration sur la performance de nos applications web. C'était des pratiques qui étaient connues avant, il a globalement rien inventé, mais c'était une des toutes premières compilations qui ont été faites de tout cet ensemble de règles. Ensuite, la webperf, pourquoi c'est quelque chose d'important? Pourquoi on essaye d'améliorer la rapidité d'affichage de nos pages? Tout simplement, il y a des exemples connus dans le monde du web qui mettent une relation de cause à effet entre la perf technique et la perf business. Walmart, quand ils réduisent d'une seconde le temps de chargement de leur page, ils constatent une augmentation du taux de conversion de 2%. A contrario, un jour chez Google, ils se sont plantés sur leur page de recherche, le temps de cette page-là a augmenté de 400 millisecondes, ils ont constaté une baisse sur le nombre de recherches de 0,6%. Donc on le voit, la perf web, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur le nombre de pages vues, sur le rebond, sur la conversion, etc. C'est aussi un critère SEO. Google admet que la vitesse d'affichage des pages s'est prise en compte dans leur algo de recherche. Un petit rappel sur ce qu'est le web. Le web, c'est un système client-serveur, c'est-à-dire qu'on va avoir un navigateur qui, via du réseau, va communiquer avec un back-end. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, sur tout le temps d'affichage d'une page, on a seulement entre 15 et 20% de ce temps-là qui va se passer côté serveur. Ça veut dire qu'on a donc entre 80 et 85% du temps resto qui va se passer soit sur votre navigateur le temps que votre page soit traitée, soit c'est dû aux interactions réseau. Donc on le voit avec de telles métriques, la marge d'optimisation ne va pas être tellement côté serveur, mais elle va être sur tous les à côté. Alors là, je dépoussière un peu le modèle OSI, tout simplement pour faire un petit rappel sur le fait que le web s'appuie sur le protocole TCP/IP. Donc ça veut dire qu'on va avoir une communication via du réseau, donc c'est sur la partie basse qu'on voit sur l'accès réseau. La couche IP pour tout ce qui est adressage, la couche TCP, donc c'est pour l'établissement de l'ouverture de la connexion, et enfin, au-dessus, on va retrouver sur la couche applicative notre serveur HTTP qui va nous délivrer nos ressources. Donc, comme on a pu le voir sur les différentes métriques, la partie serveur va être relativement courte. Je vais vous parler des outils que nous on utilise pour monitorer ce qui se passe sur nos serveurs et une des optimisations qu'on est en train de faire sur la migration à PHP 7. Déjà, premier outil, celui qu'on utilise le plus chez nous pour suivre tout ce qui se passe sur nos serveurs, c'est New Relic. C'est clairement l'outil de monitoring applicatif qu'on utilise le plus. Dedans, on va retrouver les requêtes, les pages lentes, tout notre trafic historisé sur plusieurs mois, les erreurs, etc. Donc ça nous permet vraiment de savoir ce qui se passe
de voir sur de très longs laps de temps, sur plusieurs mois, comment notre performance serveur a évolué, si on a eu des baisses, des hausses. Ça permet également, quand on est soumis à pendant des très courts laps de temps, à des pics de trafic, à de la charge qu'on n'arrive pas à comprendre, ça nous permet d'analyser ça, essayer de voir d'où vient le trafic, quel est le problème. Donc c'est vraiment un très bon outil pour comprendre ce qui se passe sur les serveurs. Pour suivre tout ce qui est optimisation de code, on utilise Blackfire. Je pense que vous avez probablement dû suivre la présentation de Fabien juste avant. Donc c'est un outil de profiling qui nous permet d'avoir dans le détail les temps de réponse, les consommations mémoire, et dessus s'assurer quand on livre une nouvelle fonctionnalité qu'on n'a pas introduit de régression sur la performance. Donc cet outil-là, nous on l'utilise surtout en phase de dev. On s'assure qu'on ne va pas livrer quelque chose qui va nous ralentir ou nous pourrir notre performance serveur. Ensuite, je vous ai dit que je parlais d'optimisation. Le sujet du moment dans le monde PHP, c'est PHP 7 et tous les gains de performance qui sont promis avec cette nouvelle version. Pour ceux que ça intéresse, il y aura Julien Poli qui présentera un comparatif de performance entre PHP 5 et PHP 7 cet après-midi. Il y a 3 mois, lors de l'appel à conférencier pour le PHP Tour, je m'étais dit super, j'ai 3 mois, donc je vais pouvoir vous présenter la migration à PHP 7, ça va être génial. Dans les faits, on a balancé notre premier flux en production vendredi. Donc c'est relativement court comme retour d'expérience, mais ça me permet quand même de dire qu'à infra équivalente et sur vraiment des données de prod, on a mis notre flux de production sur un de ces serveurs-là, on a constaté une optimisation sur les temps de réponse de l'ordre de 35 à 40%. Donc juste en changeant de version de PHP. Donc clairement, en termes d'optimisation serveur, c'est le plus gros quick win qu'on ait pu faire là-dessus. Donc voilà pour la partie serveur. Maintenant, pour que notre navigateur et notre serveur communiquent, on va passer par du réseau. Ce qu'on voyait sur la partie base du modèle OSI que je vous ai sorti tout à l'heure. Et souvent, quand on va penser réseau, on va d'abord penser bande passante. La bande passante, c'est quoi? C'est la capacité qu'a notre réseau à transmettre des données pendant un temps. On peut penser que plus la bande passante va être élevée, plus notre page va recharger rapidement. Mais en fait, c'est ce qu'on voit là sur le graphique, c'est faux. Au-delà d'un certain seuil, là à 3 Mbps par seconde, la bande passante, c'est plus notre goulot d'étranglement. En fait, il faut qu'on prenne en compte un autre critère. Cet autre critère, c'est la latence. La latence, c'est le temps que met un paquet pour faire un aller-retour réseau entre notre navigateur et notre serveur. Ce temps-là, il va principalement dépendre de la distance physique entre le navigateur et le serveur. Donc plus on est loin, plus ça va mettre du temps. Ça peut également aussi dépendre du réseau utilisé. Vous n'aurez pas les mêmes valeurs de latence si vous êtes une connexion fixe versus une connexion mobile. Et là, on le voit en fait sur le graphique, plus on arrive à améliorer notre latence, plus nos temps de chargement de page vont réussir à être réduits. Vous pouvez très facilement tester l'impact de la latence et de la bande passante dans vos outils de développement dans les navigateurs. Vous allez dans l'onglet réseau, vous pouvez changer ces valeurs-là pour comprendre, voir comment vos pages se comportent en mettant des valeurs de latence plus fortes. Et voilà. Donc l'objectif, en fait, pour minimiser l'impact de la latence, on a 2 solutions. Soit il faut qu'on arrive à rapprocher nos serveurs et nos navigateurs pour réduire la valeur de la latence, soit il faut qu'on se débrouille pour faire moins d'appels réseau pour réduire le nombre de fois où on est soumis à cette latence. Ensuite, je vous montre rapidement ce qui se passe quand on consulte une page, un petit rappel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un waterfall. Donc ça nous permet, j'arrive sur ma page, sur ma home page, donc ma page HTML est chargée, mes différentes ressources sont nécessaires pour la page sont également chargées, les uns après les autres, c'est ce qu'on voit là. On a différentes métriques sur qu'est-ce qui est chargé, quand, les différentes informations de temps. Là, je vais rentrer un peu dans le détail de ce qui se passe sur un des hits. Donc là, c'est ma page HTML. Et ce que le navigateur fait. Déjà, le navigateur, quand il voit qu'il y a un fichier, il ne va pas forcément lancer son chargement directement. C'est ce qu'on voit sur les 3 premières lignes. Il y a éventuellement de l'attente. Ça peut être dû à du proxy ou à un nombre de connexions qui est atteinte. Donc le navigateur ne va pas forcément donner le go direct à l'envoi de la requête. Ensuite, une fois qu'il donne son go, première chose à faire, il va faire une requête DNS. S'il ne connaît pas encore, ok, il a le nom de domaine, mais s'il ne connaît pas encore le serveur qu'il y a derrière, il faut qu'il le sache. Donc c'est l'objectif de la requête DNS. Une fois qu'il sait à qui s'adresser, il ouvre une connexion. C'est ce qu'on voit sur la ligne verte initial connection, orange initial connection. Au besoin, si on est dans le cadre d'une connexion sécurisée, on va faire une négociation TLS. Donc on le voit, en fait, les deux lignes violettes et orange, c'est le coût d'initiation, c'est l'initiation de la connexion. Ça a un coût, donc c'est quelque chose qu'on reverra un peu plus tard, mais il faut être conscient de ce coût-là.
Ensuite, ça y est, j'ai ouvert ma connexion, le navigateur envoie la requête, le serveur va la recevoir, préparer le contenu, la traiter, et envoyer le premier paquet au navigateur. C'est ce qu'on voit sur la ligne verte, en fait. Le time to first byte, c'est le temps qu'il faut au navigateur pour recevoir le premier paquet. Et après, le premier paquet arrive, les autres suivent, et on a téléchargé notre source. Et ainsi de suite pour chacun des éléments. Donc là, ces waterfalls-là, voilà, ça venait de Chrome. Vous pouvez aussi utiliser webpagetest.org, donc c'est un outil en ligne. Vous lui donnez l'URL de votre page que vous voulez tester. Vous pouvez également jouer sur les lieux physiques, donc pratique pour tester si vous voulez voir comment votre page se comporte à l'étranger. Donc ça permet de tester ce genre de choses. Vous pouvez jouer aussi également sur le réseau, la bande passante, la latence, etc. C'est un outil aussi que vous pouvez installer sur votre infra, à vous. Ça vous permettrait de tester si vous avez des URL privées ou si vous les testez sur vos environnements de dev, vous pouvez vous mettre un webpage test en local chez vous. Donc là, on l'a vu, entre la recherche DNS, l'établissement de la connexion, l'envoi de la requête au serveur, etc., on va faire des appels réseau. Et à chaque fois qu'on va faire un aller-retour réseau, on va être soumis à la latence. Donc un des premiers objectifs pour essayer d'optimiser et d'améliorer la performance de nos pages, ça va être de réduire le nombre de requêtes vers le serveur. Et pour commencer, faut qu'on enlève tout ce qui est inutile. Chez nous, on avait beaucoup d'images qui étaient chargées dans notre CSS. Historiquement, en fait, il était souhaité que le rendu de notre site soit similaire de IE7 jusqu'aux dernières versions de Chrome. Donc pour tout ce qui est arrondi, pour tout ce qui est dégradé, on utilise des images. Et là, le code que je vous ai mis, en fait, c'est comment étaient gérés nos boutons avant qu'on fasse cette optimisation-là. Donc un bout d'image pour gérer les arrondis et les dégradés, le bout d'HTML pour placer les bons éléments, et je vous épargnais la CSS parce que ce n'était pas non plus très joli. Globalement, c'était une bonne intention, le fait d'avoir ce rendu-là, mais ce n'était pas forcément nécessaire, et ça nuisait à notre performance web, parce qu'on avait plein de fichiers à charger. Là, c'est le cas des boutons, donc on avait plusieurs éléments pour les boutons, on avait aussi des arrondis pour nos paniers, notre footer, je vous montrerai, il y avait plein d'images qui étaient chargées. Donc tous ces éléments-là, on les a fait sauter pour faire de la CSS, faire du natif en CSS, et des choses qui se dégradent. Ok, on n'a pas d'arrondi sous IE8, mais on s'en fout. Bon, l'avantage de ce bouton-là, c'est qu'il utilise une sprite. La technique de la sprite, c'est qu'on assemble plusieurs images en une seule, comme ça, en un seul appel réseau, on récupère plusieurs éléments. Donc ça, c'est quand même relativement positif. Par contre, chez nous, on avait pas mal de sprites, on avait beaucoup, mais elles ne nous plaisaient pas forcément. Si je prends l'exemple de celle-ci, on a des pictogrammes assez simples, une loupe, un panier, notre logo, etc., sur un fond bleu qu'on pouvait faire également très facilement en CSS. Donc pour ces pictogrammes-là, on a décidé d'utiliser des fonts icônes. Le principe, c'est très simple, c'est que pour chacun des pictogrammes, on a un fichier SVG, qu'une tâche va nous compiler en fichier de fonte, qu'on charge ensuite sur notre site. En termes de poids, c'est relativement rentable, vu que ça nous a permis de remplacer plusieurs sprites par un seul fichier de fonte qui va contenir tout notre jeu d'icônes. Là, la sprite-là que je vous ai mis, qui fait 4 icônes, elle fait 2 kilooctets. Notre fichier de fonte, qui contient plus d'une centaine de pictogrammes, il fait 16 kilooctets. Donc en termes de ratio de poids, c'est relativement rentable. Et puis une fois que c'est chargé, c'est chargé. On a tout notre jeu d'icônes qui est à disposition. Ce qui fait que nous, sur desites.fr, au final, on n'a quasiment plus de sprites, à part pour des éléments très précis, on passe quasi exclusivement par de la fonte icône. Enfin, il y a pas mal de petits pictogrammes qui traînaient, qu'on utilisait, par exemple, on avait une petite icône de remise, des petits fichiers, mais pour lesquels on faisait un hit HTTP pour charger ces éléments-là. Donc ce qu'on a fait, plutôt que de charger l'image, on a remplacé son URL par sa data URI pour nous éviter un hit HTTP. Et comme ça, ça fait des ressources en moins à charger, on fait ça ou dans le CSS ou dans l'HTML, et ça nous réduit le nombre d'éléments. Concrètement, on a appliqué tous ces principes-là sur notre footer. Ça, c'est notre footer tel qu'il était affiché encore il y a quelques mois sur desites.fr. Je vous entourais en rouge tous les éléments où on utilisait des images. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Il y en avait quasiment une dizaine qui étaient là exclusivement pour le footer. Et on a remplacé notre footer par ça. Donc déjà, c'est un peu plus joli, c'est un peu plus moderne. Donc, on a déjà gagné ça. Et surtout, on n'utilise plus une seule image. Les éléments visuels que vous voyez, c'est de la fonte icône. Et sinon, après, tout le reste est fait en CSS. L'impact de ces modifications-là, donc ça c'est des graphiques, en jaune vous avez le nombre de requêtes et en rouge le poids de la page. Et suite à la mise en production, on a réduit de 25% le nombre de requêtes chargées. On a pu enlever à peu près une quinzaine d'images qu'on chargeait à partir de notre feuille de style en appliquant tous ces principes-là.
Bon, sur le temps de chargement, c'est pas aussi flagrant que ça. On n'a pas réduit de 25% en enlevant ça. On a seulement gagné 0,1 à 0,2 secondes en appliquant ces principes-là. Mais bon, là aussi, l'objectif, c'est aussi de simplifier la maintenance en enlevant le nombre d'éléments qu'on avait à traiter. Maintenant, je vais vous parler un peu de cache. Quand votre navigateur va récupérer un fichier, il a la possibilité de le mettre en cache pour le réutiliser un peu plus tard, si une autre page en a besoin. C'est ce qu'on appelle le cache HTTP. Ça nous permet de limiter les allers-retours entre notre serveur et notre navigateur en stockant côté navigateur des ressources qui sont réutilisables. Donc ça, ça se règle via le mécanisme, via un en-tête HTTP qui s'appelle cache control et sur lequel vous définissez la valeur de la durée de votre cache. Donc chez nous, on fait varier cette valeur-là en fonction de la typologie des pages. Par exemple, entre notre recherche ou notre fiche produit, on arrive à une durée qui va de quelques minutes à une heure. Sur les images, c'est un peu plus long. Et sur nos JS CSS, vu que ces URL de nos fichiers-là sont générés et ont un hash qui va varier en fonction du contenu, en théorie, on peut avoir une durée de cache qui est illimitée pour ces éléments-là. On l'a vu tout à l'heure, à chaque fois que le navigateur va vouloir récupérer une ressource sur un serveur, il faut qu'il établisse une connexion. C'est coûteux, donc il y a des mécanismes qui permettent d'économiser un peu ça. En fait, côté serveur, on peut spécifier une directive qui s'appelle Keep Alive, qui va permettre de définir, de garder ouverte une connexion pendant un temps donné pour qu'elle puisse être réutilisée. Donc vous définissez la valeur, donc ça va nous permettre d'économiser, si je récupère ensuite un autre fichier sur un navigateur sur lequel il y a déjà eu un passage, on va économiser tout ce qu'on appelle là d'initiation de la connexion. Donc vous définissez la valeur sur votre serveur, il faut juste faire gaffe à ce que vous ne mettiez pas une valeur trop importante, sinon vous allez saturer votre serveur en gardant vos connexions trop longtemps ouvertes. Donc il y a un risque d'effet inverse, donc il faut bien faire attention à ça. Et j'ai profité du Keep Alive pour vous parler d'un mécanisme de TCP qui s'appelle le Slow Start. En fait, TCP, quand on va ouvrir une connexion sur un serveur, il ne va pas encore connaître le débit optimal de cette connexion. Et il va essayer d'augmenter le débit au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il atteigne, en fait, jusqu'à ce qu'il se rende compte que des paquets soient perdus, donc il va rebaisser le débit et retenter d'augmenter. Bah, le slow start, c'est un algorithme de TCP qui, en gros, à chaque fois que le navigateur envoie un ACK au serveur, donc j'ai bien reçu le paquet, le slow start va doubler la fenêtre de congestion, c'est-à-dire le nombre de fragments qu'il peut envoyer. Et comme ça, à chaque fois qu'il y a un ACK, paf, on double la capacité d'envoi de la connexion. L'intérêt de réutiliser une connexion et couplé au slow start, c'est qu'on va pouvoir, en réutilisant une connexion, on va pouvoir avoir une connexion sur laquelle notre slow start va déjà être un peu chauffé. Donc on aura potentiellement une capacité de transmission de données qui sera déjà plus importante. Sur vos serveurs, vous pouvez régler le slow start restart. En fait, c'est un paramètre qui dit à TCP de ne pas réinitialiser la fenêtre de congestion si une connexion est mise en attente. Donc voilà, ça permet de compléter un peu ce mécanisme de couplage slow start et keep alive. Alors là, je vais parler un peu d'une pratique un peu triviale, mais qui, vous allez voir, ça peut être parfois utile de faire ce rappel-là, c'est la concaténation des assets. Donc on l'a vu, si on a tous beaucoup de fichiers JS ou CSS, ce serait con de les charger un par un, donc on va essayer de les regrouper ensemble. Donc je pense pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose de trivial et évident, mais en fait, dans des écosystèmes tels que Magento, il faut savoir que c'est une case à cocher dans le BO. Donc si vous oubliez de la cocher, vous allez devoir vous taper vos 70 fichiers JS et vos 10 fichiers CSS à charger un par un. Nous, on ne l'a pas, mais je vois d'autres sites en production qui sont sous cet écosystème-là, qui ont oublié de le faire, et c'est con, quoi. C'est typiquement en un clic qu'on arrive à optimiser beaucoup de choses grâce à ça. Ouais, je pense que c'est le cas aussi sur d'autres environnements, donc voilà pourquoi je tenais à faire ce petit rappel-là. Toujours sur les images, on a supprimé pas mal, mais bon, il y a un moment où il faut quand même en regarder, ne serait-ce que pour avoir des visuels produits. Et en fait, on a une problématique. Là, je vous ai mis toute notre page, vraiment tout le contenu. Mais quand on arrive sur cette page-là, sur la partie non grisée, c'est ce qu'on voit. Et sur toute la partie grisée, c'est tout ce qu'on ne voit pas au démarrage. Mais pourtant, on a chargé toutes ces images-là. Et ces images-là, on les a peut-être chargées pour rien, parce que l'utilisateur aura peut-être cliqué sur le premier produit, mais on aura chargé toutes les images en dessous. Donc c'est dommage, c'est du temps de chargement qui est inutile. Donc pour résoudre ça, on a mis un mécanisme de lazy loading sur nos visuels qui nous permet de ne charger les images qu'à partir du moment où elles sont affichées dans la zone visible par l'utilisateur. Ça nous permet de réduire le temps de chargement initial de notre page de cette manière-là. Concrètement,
Voilà, toujours le même graphique, là c'est sur notre fiche produit. Ça nous a permis de réduire de 25% le nombre de requêtes faites à partir de notre fiche produit. Donc on a enlevé à peu près une vingtaine d'images. Et en termes de données à télécharger, on a réduit de 200 kilooctets l'impact initial de chargement sur notre fiche produit. Et ce qu'on a vu dans GA, suite à cette mise en production-là, c'est qu'on est passé de 4,8 secondes en temps de chargement global à 4,2 secondes en appliquant ce lazy loading-là. Donc c'est typiquement une des plus grosses optimisations qu'on ait réussi à faire. Et avec peu d'impact pour l'utilisateur, parce que la zone elle est déjà allouée, donc là c'est blanc mais il n'y a pas encore d'image, donc l'image apparaît, il n'y a pas de repaint, il n'y a pas de trucs qui vont bouger, donc c'est vraiment relativement peu perceptible pour les utilisateurs, donc c'est vraiment une bonne optimisation. Donc je vous ai présenté tout ce qu'on a fait pour réduire le nombre de requêtes, donc en réduisant les allers-retours. Maintenant je vais vous parler un peu de ce qu'on a fait pour alléger les requêtes qui restent. Première chose à faire, activer la compression gzip sur nos serveurs. Non seulement ça va faire des ressources qui sont moins lourdes à télécharger, si en plus auprès de votre hébergeur vous avez des quotas de bande passante, ces données moins lourdes qui vont mécaniquement transiter par votre réseau, donc c'est cool. Nous on a décidé que c'était pertinent que pour les fichiers de type texte, on suppose que tout ce qui est images et tout c'est déjà compressé, donc on ne s'est pas embêté à gaspiller du temps CPU de compression sur ces ressources-là. Pour vous donner un petit chiffre, notre page d'accueil, donc si je prends l'HTML, le CSS et le JS, c'est 1 mégaoctet. Après compression gzip, on arrive à 200 kilooctets. Donc c'est un facteur 5 de compression en activant le gzip. Tout à l'heure, je vous parlais de la concaténation des assets. La bonne pratique suivante, ça serait éventuellement de les minifier. Donc la minification, ça consiste à virer tout ce qui est un peu inutile dans notre code, donc les espaces, les tabulations, les commentaires, pour avoir des versions qui sont allégées en production. Nous, on ne l'a pas mis en place, tout simplement parce que ce coup-là, on rajoutait cette couche-là de minification sous le Magento, on l'a jugé relativement complexe, c'était assez coûteux. On a préféré allouer ce temps pour faire d'autres optimisations qui nous paraissaient plus rentables. Après, il faut voir aussi que la minification, c'est comme on compresse les contenus, donc on va avoir moins de contenus différenciants. Donc il risque d'avoir un petit conflit entre l'optimisation gzip et la concaténation. Donc globalement, ça nous aurait permis d'économiser 2 ou 3% sur la taille de nos assets, donc à peine 2-3 kilooctets. Donc c'est pas vraiment... voilà pourquoi on a mis ça de côté pour le moment. Mais ça viendra. On a également travaillé sur l'optimisation de la partie requête vers le serveur. On a tous des cookies sur nos sites internet, et ce qu'il faut savoir, c'est quand je vais demander une ressource sur un domaine sur lequel j'ai posé un cookie, ce cookie-là, il faut que je l'upload. Donc il y a un coût lorsque je fais ces requêtes-là, il faut que j'envoie mon cookie en plus de ma requête. Dans le cas de nos fichiers statiques, donc si je prends des images, nos feuilles de style, nos scripts, etc., quel intérêt on a d'envoyer le cookie? Nous, on n'en avait absolument aucun. Donc ce qu'on a fait, c'est que pour ces ressources-là, on les a chargées sur un autre domaine sur lequel on n'avait pas de cookie. Donc au lieu de charger mon image sur deux-sites.fr, je vais la charger sur DI statique, donc un domaine sans cookie. Et ça nous permet d'économiser sur le temps, sur le coût de l'envoi de cette requête-là. Si je fais un petit parcours utilisateur sur mon site, mon cookie va faire 2, 3, 4, 5 kilooctets. Donc ça veut dire que je vais devoir envoyer ma requête, elle va faire ce poids-là. Sur le domaine sans cookie, ma requête pour récupérer mon image, elle fait 300 octets. Donc quasiment 10 fois moins. Et encore, les chiffres que je vous donne, ça varie énormément en fonction de votre parcours. On a également travaillé sur l'optimisation des images. En fait, un jour, on s'est retrouvé avec une image qui faisait 500 kilooctets sur notre homepage. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour empêcher ça? Nous, en tant que dev, si on n'explique pas aux différentes équipes qui vont intervenir sur le site l'effet que ça peut avoir de charger une image qui fait un tel poids, on n'a pas fait notre boulot. C'était à nous aussi d'avoir cette prévenance-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que PNG et JPEG, ok, c'est des formats compressés, mais ça ne suffit pas de mettre nos images en PNG ou JPEG pour qu'elles soient compressées de manière optimale. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a été vraiment en mode pragmatique. On a montré à nos équipes un outil qui s'appelle TinyPNG, et ils compressent leurs images via cet outil-là avant de les envoyer sur le site. Et l'image qui faisait 500 kilooctets, on l'avait en 60 kilooctets sans dégradation visuelle. Et puis nous, en fait, on avait quand même 2-3 trucs à se reprocher. On a fait exactement la même chose sur toutes les images qui étaient dans notre dépôt.
et on est passé de 4 mégaoctets d'images qu'on stockait sur notre GitHub à 2 mégaoctets. Donc ce nettoyage-là était relativement rentable également pour nous. Toujours dans la partie nettoyage, en fait, au fil des refactos sur notre site, on avait un gros fichier de CSS de 5000 lignes. C'était un peu dur de s'y retrouver dedans. Et puis, au fil des refactos, on a changé des choses, on a refait certaines parties du site, et puis on a oublié d'enlever des bouts de CSS. Et on a oublié d'enlever 15% de notre CSS qu'on faisait charger à nos utilisateurs et qui ne servait absolument à rien. Donc on a profité d'un refacto de toute notre feuille de style, on l'a passé en SAS en fait, pour ne porter uniquement les bouts de code qui nous intéressaient. Donc là, clairement, c'est du bricolage, hein, on ne va pas se mentir. Sur le long terme, il y a des outils, il y a UnCSS sur lequel on peut programmer des parcours utilisateurs et qui va nous détecter ce code mort-là. Donc là, avoir ça en son intégration continue, ça nous évitera dans un an de se rendre compte qu'on a encore pourri notre CSS en faisant charger plein de lignes qui ne servent à rien. Donc là, il faudra être un peu plus prévenant par la suite. Donc là, on a chargé moins de ressources, on a du contenu qui est plus léger. Maintenant, comment on va essayer de continuer à accélérer notre site? En fait, on s'est penché sur les contenus bloquants. L'objectif, quand même, quand on affiche nos pages, c'est de charger au plus tôt notre HTML et notre CSS pour avoir le rendu définitif. Mais on a donc des contenus bloquants qui vont nous retarder cet affichage-là, le temps qu'il soit téléchargé et traité. Donc, il faut qu'on identifie sur nos pages tous ces types de contenus-là et essayer de retarder leur exécution et leur chargement. Parmi ces contenus bloquants, on va trouver le JavaScript. Chez nous, le traiter dès le début, ce n'est pas forcément utile. Le JS, on l'utilise surtout pour rajouter des interactions. On n'est pas dans le cas d'appli React ou autre. Enfin, on l'utilise vraiment quand je clique sur un bouton, je veux que ça m'ouvre une pop-in. Avoir ça dès le début, on n'a pas vraiment besoin. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la balise de script qui était dans le head de nos pages et on l'a descendue en bas du body. On a fait d'autres choses derrière, parce que si on faisait juste ça, si vous avez des scripts inline, vous venez de défoncer votre site. Donc il y a un peu de refacto quand même à prévoir, c'est pas aussi trivial que ça. Mais ça nous a permis de décaler l'exécution du JS après le reste du traitement de la page. Si vous n'êtes pas fan de descendre en bas du body, il y a aussi l'attribut async que vous pouvez poser sur vos balises script. Ça va paralléliser le téléchargement et le traitement de votre fichier JS par rapport au reste de la page. Ça, c'est un peu en fonction de ce que vous voulez faire. Alors là-dessus, je n'ai pas de chiffres à vous donner, tout simplement parce qu'on a fait ça sur notre fiche produit quand on l'a totalement refaite. Donc je n'ai pas pu isoler une métrique vraiment spécifique au fait d'avoir descendu le JS. Donc là, je suis désolé pour ça. Toujours sur le JS, à un moment donné, sur nos sites, on va forcément charger des scripts sur lesquels on n'a pas la main et qu'on n'héberge pas. Pour des widgets de réseaux sociaux, du tracking, de l'analytics, etc. Et puis, ces scripts-là, à un moment donné, forcément, un jour, ils vont tomber. Et si vous les avez chargés en synchrone, votre page, il va falloir attendre que le navigateur fasse un timeout sur le fichier JS pour que le reste de votre page s'affiche. Nous, ça nous est arrivé sur notre fiche produit, ça s'était planté en plein milieu. Donc, on attendait les 30 secondes et donc on a dégagé les scripts. Mais voilà, donc pour éviter ça, il faut avoir conscience de ce qui est chargé sur vos sites. Quand est-ce que c'est chargé et de quelle manière? Donc là, il y a un outil qui s'appelle, je vous ai mis l'URL là, qui s'appelle Request Map. Vous lui filez l'URL de votre page, donc nous c'est ce qu'on a sur notre fiche produit. Et là en fait, sur toute la partie droite, toute la partie rouge, tous ces scripts-là sont chargés à cause de l'élément central là, qui est là. Donc ce script-là, s'il tombe, il faut bien s'assurer que votre page soit capable de gérer ça. Donc si vous les chargez en asynchrone, c'est cool. Sinon, va falloir prévoir les outils pour faire ça. Vous pouvez aussi tester dans Webpage Test, je reviens dessus, il y a un onglet qui s'appelle SPOF qui vous permet de tester votre page en faisant en sorte que le domaine que vous mettez dans l'onglet SPOF ne fonctionne pas. Donc par exemple, je vais tester que sur ma page produit, là je vais mettre le domaine qu'elle a et je vais regarder comment ma page se comporte, si j'ai mes affichages corrects, si ça ne va pas retarder, etc. Donc c'est un très bon outil pour auditer. Et pour la petite histoire, ce graphique-là, on l'a refait aussi il y a 6 mois. Je n'ai pas l'image parce qu'elle était trop grosse. Ça avait totalement explosé. Là. Le script en plein milieu nous avait fait un superbe feu d'artifice. Il y avait une centaine de requêtes qui partaient de là et qui nous a défoncé. Ils avaient complètement craqué sur leur script et on chargeait plein de ressources qui ne nous étaient absolument pas utiles. Et ce qui m'amène en fait sur la qualité de ces scripts-là. En fait, tout ce que je vous ai dit sur la qualité que nous, on avait cherché à appliquer sur notre propre site,
Ces scripts partenaires, ils ne le mettent pas forcément en place, que ce soit du cache, de la compression ou autre. Donc regardez bien ce qui est chargé sur vos sites. Lisez la doc technique d'intégration de ces scripts externes. Souvent, ça vous en dira relativement long sur la qualité technique de ces modules-là. Et puis, bah, remontez ces problèmes aux prestataires. Ce sera bénéfique pour eux s'ils mettent du cache ou de la compression. Et puis, ce sera surtout bénéfique pour vous. Enfin, pour terminer sur ce point-là, ces scripts-là, ils sont souvent là pour des raisons de business. Mais il faut être conscient du coût technique qu'ils peuvent avoir. Nous, on a des versions marque blanche de notre Magento qui tournent exactement sur la même infra et sur lesquelles on n'avait pas ces scripts partenaires-là. Ben, en fait, on a constaté qu'il y avait un delta sur le temps de chargement des pages de l'ordre de 0,8 secondes entre la version qui avait les scripts et celle qui ne l'avait pas. Donc il faut bien être conscient de l'impact que peuvent avoir ces scripts. Je reviens un peu sur les images. On l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup d'images sur nos sites et en fait ça devient vite un point de blocage sur le chargement de nos pages. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en HTTP 1, le navigateur peut charger peut paralyser les appels, mais en fait il va posséder une limite de connexion par domaine. Donc comment on peut essayer un peu d'outrepasser cette limite-là et de la décaler? En fait, il y a une technique pour augmenter cette capacité et qui consiste à charger nos images sur un autre domaine, ce qu'on appelle le domain sharding. Donc au lieu de charger mon image sur deux-sites.fr, je vais la charger sur media.deux-sites.fr. Bon, le piège, c'est que si je la charge sur media.deux-sites.fr, donc je vais me taper une requête DNS et je vais devoir ouvrir des connexions qui vont être relativement coûteuses. Donc le domain sharding, c'est quelque chose qui peut ne pas être rentable. Nous, on l'a fait sur deux domaines différents, mais typiquement, c'est le genre de test. On l'a mis en prod, dans les webpage tests et tout, on voyait bien, ça paralysait, c'était génial. Sur l'impact sur le temps de chargement global, on n'a rien vu. Voilà. Donc voilà pour les principales modifications qu'on a effectuées. Maintenant, qu'est-ce qu'on a prévu comme axe d'amélioration pour la suite ? Bah déjà, un des gros chantiers sur lequel on va se pencher dans les prochains mois, ce sera de basculer vers HTTP2. Pourquoi c'est quelque chose d'intéressant? Parmi les avancées HTTP2, on peut d'abord citer le fait que les requêtes soient multiplexées. En HTTP2, on n'ouvre maintenant plus qu'une seule connexion par domaine. Par contre, sur cette connexion-là, je vais pouvoir paralléliser les envois et les réceptions de messages. Donc au lieu de faire les choses en séquentiel, on va pouvoir paralléliser. Donc, ça, c'est relativement avantageux. Le fait aussi que les headers soient désormais compressés, que ce soit pour les requests ou les responses, cette partie-là est désormais compressée. Donc, on va pouvoir réduire la bande passante qui est utilisée par nos pages. Enfin, il y a un mécanisme de content pushing qui permet de lier du contenu quand on demande une ressource. Par exemple, je demande ma page HTML, je pourrais lui lier ma feuille de style pour la récupérer un peu plus rapidement. Puis au final, en fait, sur pas mal de points dont je vous ai parlé plus tôt, si je prends le keep alive, la concaténation des assets, le domain sharding, bah, en fait, si on implémente HTTP2, pas mal de ces points-là sont rendus soit un peu inutiles, soit totalement inutiles par le fait de passer sur HTTP2. Donc voilà pourquoi c'est une piste qui est intéressante pour la suite. Toujours en piste d'amélioration, on pourrait également se pencher sur essayer d'optimiser le chemin critique pour que notre navigateur affiche au plus vite notre page, la fameuse barre des 60 FPS dont parlait François hier. Voilà, donc ça passe par du nettoyage de code HTML, ça passe par du nettoyage de code CSS, essayer de faire en sorte que le navigateur fasse le moins de reflow, de repaint possible pour qu'on ait un affichage qui soit plus fluide. Mais bon, clairement, c'est un autre pan de l'optimisation web sur lequel nous, on ne s'est absolument pas penché et donc je ne vous en parlerai pas. Pour aller plus loin, quelques outils. Donc déjà pour mesurer, PageSpeed Insight, Yslow, WebPageTest. Vous mettez vos pages dedans, vous regardez ce que l'outil vous conseille, il va vous donner plein de métriques, plein de choses éventuellement à faire. Donc c'est un très bon outil pour démarrer et voir l'état des lieux. Le Request Map Generator, dont je vous ai montré la capture tout à l'heure. Pour la documentation, je me suis limité à deux liens que j'ai trouvé relativement bons. Le premier, c'est la documentation sur la web performance de Google, qui est ultra complet, qui est très bien détaillé. Et le second, le livre d'Ilia Grégory sur les performances réseau, qui est également très complet, qui c'est pas vraiment orienté développement, c'est très orienté réseau, mais c'est vraiment ultra intéressant. Moi, d'un point de vue développeur, j'ai appris plein de choses dans ce bouquin, donc je vous le conseille, il est disponible à suite au clic, il y a une version en ligne qui vous permet de le consulter.
Ensuite, comme la revue de code, le testing ou plein d'autres choses que vous avez probablement mis en place chez vous, en fait, la performance web, c'est quelque chose qui doit rentrer dans votre culture d'équipe. Mettez en place des process pour visualiser les impacts. Vous livrez un développement, faites des web page tests pour essayer de voir si vos développements n'ont pas entraîné de régression. Comme on peut améliorer ce qu'on ne mesure pas, rajoutez des choses dans votre intégration continue. Ça vous permettra d'avoir des mesures régulières pour suivre l'évolution des performances de votre site. Enfin, nous, en tant que dev, on a un impact qui est très fort sur le site. C'est nous qui gérons le code, donc c'est évident. Mais chez nous, en fait, on n'est pas les seuls qui vont influer sur le site. Il y a également des équipes édito qui, tous les jours, vont pousser du contenu, mettre en avant des produits, etc. Donc, expliquez à vos collègues, qu'ils soient techniques ou non, ce que veut dire la web perf, et puis vendez-leur votre culture de la web perf de manière à ce qu'ils se l'approprient également. Donc pour ça, exposez des métriques, essayez de les accompagner quand vous mettez en place des process pour qu'ils aient conscience de ces enjeux-là et qu'ils s'investissent aussi à vos côtés sur ces aspects. Enfin, nous, durant les deux dernières années, en fait, on a essayé de manière un peu itérative de mettre en place toutes ces améliorations-là, dans l'objectif de charger le minimum et de décaler un peu le superflu à plus tard pour arriver à réduire notre temps de chargement de nos pages. On a fait plein d'optimisations, mais bon, contrairement aux exemples célèbres que j'ai pu vous citer en intro, on n'a pas vraiment vu d'impact ou positif ou négatif sur le business ou sur le SEO. Après, il faut voir sur le plus long terme, parce qu'il y a pas mal de modifications qu'on a fait au cours de la dernière année ou des 6 derniers mois. Donc on verra. Mais bon, même si d'un point de vue business, c'est mitigé, d'un point de vue perception utilisateur, ça reste quand même relativement positif que notre site soit capable de s'afficher plus vite, de ne pas avoir la barre de chargement qui tourne pendant 15 secondes. Pour moi, globalement, c'est positif. Puis l'objectif aussi de Stoke, c'était, en tant que dev PHP, de vous présenter tous ces aspects-là. De montrer aussi que dans une petite équipe, on pouvait mettre en place toutes ces optimisations. Certaines sont relativement faciles à mettre en place et peuvent permettre de gagner beaucoup. Et puis aussi de vous rappeler qu'il n'y a pas que le bac dans la vie, qu'il y a plein de choses à faire ultra intéressantes de l'autre côté du serveur. Donc merci à vous. Est-ce que vous avez des questions ? Avant tout, merci pour le talk. Merci. Je vais parler du lazy loading sur les images. Ouais. Je m'interroge en termes de SEO, si vous avez dû rencontrer quelques soucis, ces images-là sont plus... Alors on a triché, on a fait les choses proprement. En fait, on a mis une balise NoScript dans laquelle on a calé notre image. Et cette image-là, elle est cachée. Ce qui fait que, on a la partie IMG sur laquelle on a le déclenchement du lazy load. Mais derrière, la balise image est encore proprement posée. Et d'un point de vue SEO, ça nous a permis d'éviter d'avoir ce genre de problème. Merci. Bonjour, merci pour le talk. C'était vraiment très intéressant. Juste sur le dernier graphe que vous avez présenté sur le temps de chargement. Celui-là ? Oui, ouais. J'ai une question du coup. Sur votre site, j'imagine que depuis 2 ans, vous affichez plus de données ? Ou c'est à données constantes que le temps de chargement n'a pas vraiment diminué. Enfin, on voit une diminution, mais ouais. J'imagine que vous chargez plus de contenu dans les pages. Pas forcément. Non. D'accord. Non, c'est vraiment. Après, oui. Globalement, nos pages home, elles évoluent quasiment tous les jours. Mais bon, on a eu des refactos sur certaines parties, mais on est quand même à des volumes équivalents. Okay. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Quid du lazy load derrière du CDN en HTTP2? Est-ce qu'il y a toujours un impact sur le temps de chargement? Est-ce que ça vaut toujours le coup? Alors nous, on n'est ni en HTTP2, ni on a de CDN, donc je ne peux pas répondre à ta question. Ok, merci. D'autres questions? Au niveau infrastructure, vous avez des choses particulières de mise en place, comme je sais pas du sharding ou d'autres serveurs. Enfin, comment vous êtes organisé sans rentrer dans le détail, mais au niveau globalement, on a 3 fronts web sur lesquels on a tous nos sites, un varnish devant qui répond et voilà, c'est du Apache varnish. Merci.
Donc là, on a vu pas mal de choses côté front-end. Je voulais savoir sur la partie PHP aujourd'hui, du coup, elle s'exécute en combien de temps concrètement ? Alors, en PHP 5, on est en. Alors après, c'est de la moyenne, donc c'est. En moyenne, on a 300 millisecondes. En PHP 7, donc on a 200 maintenant, sur les premiers relevés que j'ai vus. Si je prends les 95 percentiles, on est 800 en PHP 5, 800 millisecondes, et 500 millisecondes en PHP 7. Bonjour, merci pour la conf. Hier, on a assisté à une conférence qui disait « Oubliez mode PHP ». Est-ce que vous avez oublié mode PHP, vous ? Est-ce que vous êtes intéressé à ça, passer sur FPM ? Pas pour le moment. Justement, comme avec PHP 7, on a un peu refait notre infra, on est resté sur le même. Après, oui, clairement, il y a peut-être des choses qu'on fera par la suite. Globalement, on est resté sur l'infra qu'on avait parce que changer à PHP 7, ça nous a introduit d'autres modifications, donc on préfère pas tout casser d'un coup. Mais après, ouais, c'est peut-être une piste d'optimisation pour la suite. Je ne l'ai pas vu, la conférence, donc je la regarderai après. Tu as fait un petit point sur HTTP2, mais est-ce qu'au final, il suffirait pas juste de passer à HTTP2 et de pas compiler les assets, ce genre de choses-là, faire des sprites CSS Ah oui, tout à fait. Après, HTTP2, c'est quand même quelque chose de relativement récent. Nous, ce travail-là, on l'a démarré depuis bientôt 3 ans. Donc, ce n'était pas encore une techno relativement mature à l'époque. Mais oui, clairement, c'est ce que je disais. Au final, HTTP2, pas mal de choses qu'on a pu faire, on les ferait beaucoup plus simplement et directement en faisant ça, oui. Ok. Une dernière question ? Non. Merci Sébastien. Merci. Et puis, vu que c'était la première fois que je faisais genre de sujet, enfin même si c'est la prochaine fois, n'hésitez pas à me faire des retours sur LinkedIn ou même après en direct ou sur Twitter, n'importe où. Enfin, je suis preneur de tout retour que vous pourriez me faire. Et merci à vous.